L'édition 2022 des négociations intergouvernementales entre le Sénégal et l'Allemagne s'est ouverte ce mardi 25 octobre à Dakar. Durant deux jours, les délégations vont discuter de l'état d'avancement des réformes et du portefeuille de la coopération bilatérale entre les deux pays. Depuis 2019 seulement, nous avons négocié en Allemagne et ici des projets d'une valeur de 282 milliards francs CFA. Avec les négociations de cette semaine, nous allons sûrement dépasser la barre de 300 milliards francs CFA. Et je pense que c'est une enveloppe considérable qui nous permet de soutenir efficacement le gouvernement sénégal dans les ambitions, dans ses ambitions pour le peuple sénégal. Nous nous engageons ici au Sénégal avec un programme qui vise à encourager des réformes et stabiliser l'économie et l'État ici avec notre programme. En total, pendant les deux jours à venir, on va discuter le nouveau programme pour l'année 2022, et on discute un montant total de dons des fonds non remboursables de 130 millions d'euros. Je crois que c'est vraiment un signe très fort de la coopération entre les deux pays. Les relations bilatérales entre le Sénégal et l'Allemagne durent depuis plus de 60 ans. Pour cette nouvelle phase, l'accent sera mis sur les changements climatiques, les petites et moyennes entreprises et la résilience budgétaire face à la crise mondiale. Le Sénégal va bénéficier d'un appui financier qui permettra au gouvernement de faire face à la vie chère, comme vous l'avez constaté avec les chocs que l'économie sénégalaise a eu à subir, notamment avec la crise ukrainienne, mais également avec la crise au niveau des produits alimentaires qui ont subi des chocs au niveau des prix. Ce qui permettra au Sénégal de soulager le budget et d'avoir plus de marge de manœuvre pour intervenir au niveau social. À l'occasion de cette rencontre, qui prend fin mercredi 26 octobre 2022, la délégation allemande a assuré qu'elle comptait accompagner l'État sénégalais dans la mise en place de capacités de production de vaccins de qualité.